Incubalion, c'est l'incubateur technologique mutualisé du campus Paris-Saclay. C'est en termes de volume de projets et en termes d'anciens projets transformés en société et en entreprise, le premier incubateur technologique de France. Il a déjà une quinzaine d'années d'existence et globalement, plus de 260 projets sont passés par l'incubateur et ils ont donné lieu à environ 160 entreprises qui sont vivantes et actives dans notre écosystème et au-delà, en France et à l'étranger. Notre métier consiste donc à accompagner les projets avant la création des startups jusqu'à leur démarrage commercial, après que, bien sûr, la société a été créée, après que le business model, la stratégie de la startup a été travaillée et retravaillée avec nous pendant de longues séances de travail, après que l'équipe a été renforcée, après que le produit a été commercialisé, bref. Toutes ces activités concernent l'incubation et nous y contribuons, nous aidons l'entrepreneur à faire en sorte qu'il sorte par le haut vers une trajectoire prometteuse à la sortie de l'incubateur. Nous sommes un incubateur généraliste, donc nous avons des projets de start-up qui couvrent tous les domaines technologiques. Nous avons des projets qui concernent les sciences de la vie, les biotech. Nous travaillons avec notre écosystème, notamment Génopole, Cancer Campus. Nous avons beaucoup de projets qui concernent les technologies traditionnelles de l'ingénieur, notamment l'optique. Et nous travaillons notamment avec l'écosystème d'optique auquel appartient Optics Valley et l'IOGS, l'école d'optique. Et nous travaillons bien sûr sur tous les projets TIC incontournables, surtout à Paris-Saclay. Incubalion est constitutif du territoire. Ça a été la première plateforme mutualisée du plateau de Saclay. Les membres d'Incuballiance sont tous les établissements de recherche et de développement et d'enseignement supérieur du plateau de Saclay. Dans les gènes même de l'entreprise se trouvent la recherche et le développement et notamment ce qu'on appelle le rapprochement ou l'adossement des projets au laboratoire de recherche et de développement du plateau de Saclay.